Salut l'équipe, on espère que... Il est où? Il dort où en fait? On espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. Donc, écoutez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Cette semaine, il y a l'anniversaire de Shailina. Ensuite, on aura l'opération de Shailina. Elle doit se faire retirer les végétations. On a après ma remise de diplôme. Ouais. Je vais lancer mon chapeau comme dans les films américains où on fait ouais. Et on va ensuite à un baptême, le baptême d'une des filles de mon ami. Oh oh, Shailina, je veux pas. Shailina. Donc, comme je disais, il y aura le baptême de la fille de mon ami et je suis le MC. Donc, les amis, on ira ensemble pour cette semaine. Riche en émotions. Chef, tu veux dire un mot? Viens dire un mot. Il y aura les émotions, on va y aller à Royal Kids, on va faire l'anniversaire à Royal Kids, il y aura des jeux, on va faire le gros toboggan qui glisse. Et aussi après quand on va partir, d'abord je vais vous dire un truc. Le truc c'est ça. C'est ça, ça c'est quoi? C'est du vernis. T'as mis du vernis sur les doigts? Ah, t'as mis la peinture de tes dessins sur les doigts. Mais non, c'est du vernis. Toi, tu vas me blaguer, ça, c'est du vernis, ça. Oui, c'est du vernis. Bon anniversaire, tout le monde, si c'est vos anniversaires. Oh, c'est gentil. Donc, les gars, on vous embarque avec nous. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à partager, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Parce que nous, on va s'éclater. On va s'éclater ou pas? Et Shaima, elle est en train de cuisiner parce que c'est bientôt la rupture. Maman, demain, elle va faire un gâteau comme ça, on va manger un Royal Kids. Eh oui. Donc, on y va, c'est parti. Je crois que j'ai deux. J'ai changé vite de numéro, ouais. On peut avoir de la peinture, puisqu'on va faire de la peinture. Un tablier. Bah, parce qu'on a. Donc, coach. Maman. Pause. Vous voyez pourquoi on dit de ne pas donner du coca à vos enfants après une certaine heure. Pour moi, la mère, je lui ai pas donné coca. Regardez comment elle fait. Ah, vraiment, Shayana. Je te dis, maman. Toi là. Il dit papa ça, déjà c'est bon. Non, il doit dire maman. Dis maman. Il faut pas le menacer, il faut lui dire avec douceur. Dis nanou, il faut dire maman. Nanou? Nanou? Maman. Maman. Il s'en fout, il veut juste manger son truc. Regarde. Mais je veux pas. Te voilà là-bas. Oui. Ah, ta aussi. Nanou, t'as dit que des bonbons pour dire maman? Bon, comme chaque soir, nous on est en train de regarder une série. Et monsieur derrière, comme d'habitude, il dort pas, il va crier. Je lui ai dit aussi, les voisins viennent nous chercher là. On va l'envoyer dehors. Dès qu'un voisin fait toc toc toc, on le dépose, on dit prenez-le, c'est lui qui cause. Allez, il va vous expliquer pourquoi il fait du tapage nocturne. C'est pas lui. On regarde une série, ça s'appelle Mariage arrangé. Bon, on regarde. Moi, je dormais, j'ai raté au moins 5 épisodes. Dieu, ferme les yeux, tu vas recevoir ton cadeau. Et les yeux sont fermés. T'es pas fermé là, je te vois.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Shailina. Joyeux anniversaire. Attends. On va ouvrir les cadeaux. Tu as quel âge? J'ai quel âge? T'as quel âge? 4 ans. On va ouvrir les cadeaux. Ça, c'est Chayou qui t'offre les chaussures. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à Chayou? Fais câlin à ta soeur. Et tu fais un câlin à Chayou. Allez, fais un gros câlin à Chayou, elle t'a offert les chaussures. Oh là là! Dans l'électricité, ils font ça. Et maintenant, regarde les cadeaux de papa et maman. C'est comment ça? C'est tonton Irshadi qui t'a acheté. Ah, mais c'est comme ça. Oh. Regarde. Waouh, regarde ça. C'est quoi comme vêtement? Simba. Ouais. Bravo. Merci. Et maintenant, ça c'est maman et papa. Attends, doucement. Pas les mêmes que moi. Elsa. Oh, c'est Elsa. C'est la reine des neiges. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, tout ça là. On fait un bisou à papa et maman. Je t'aime. Et après le reste, c'est là. Et moi, tu me fais pas un bisou à moi. Là, le reste. Le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux pas me faire un bisou? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux pas me faire un bisou? Parce que tu as pleuré et je t'ai dit de ne pas pleurer. Donc je ne sais pas ton copain. Bah, d'accord, moi je voulais t'envoyer à Royal Kid, mais comme je ne suis pas ton copain, bah, écoute. Bah ok, donc va avec ta maman à Royal Kid. Et maintenant? En tout cas, je suis là, là tant que tu ne m'envoies pas à Royal voilà. Kid. C'est ça, c'est tonton Irshadi qui t'a acheté. Eh bien, moi, on m'a pas fait de bisous. J'en vois pas quelqu'un à Royal Kid. Et je suis très sérieux. Ok. Donc, pas boudé. Après, il y a annulé tout. Tu vois, tu me connais. Il y a combien la fait figure là? Toi. Non. Non, tu ne m'as pas dit d'abord pourquoi tu dis que je suis méchant. Qu'est-ce que j'ai fait que tu dis que je suis méchant ce matin? L'amour des deux papas. C'est Disney. Ça va être Disney. Tu veux manger dans Burger King? Oui. D'accord, j'ai compris. Mais pourquoi tu as Pimpin. Regardez ça, c'est ce que je vis dans cette maison. Je vis des sauts d'humeur de ma cadette. Lundi matin, elle sourit. À midi, elle est fâchée. À 14h, elle sourit. À 20h, elle est fâchée. Matin là, aujourd'hui matin là, elle est venue la faire câlin. Les temps qui ont suivi, à parler. Et là, c'est ma copine. T'es ma copine, non? Maman, tu me fais un gros bisou. Princesse. Hmm? Tu me fais un bisou ici. C'est ça le vrai amour. Dans l'amour, là, on fait parler, on fait réconciliation, tout. Donc aujourd'hui, on va partir. C'est pour ton anniversaire, on va aller prendre le gâteau, aller à Royal Kid et aller manger à. On va manger à Burger King. On mange dedans. C'est ça, non? Ok, ma copine d'amour, ma fifi d'amour. J'ai une avion, on va faire des photos avec les princesses. Donc, moi, avant de sortir pour aller à Royal King, je vais manger mon attiéké d'abord pour être rempli. Ah, si elle veut le cas jouer pendant je ne sais quelle heure. Puis après, on va aller manger le soir. Donc, on vous embarque. On arrête de se disputer, s'il vous plaît, mademoiselle. Mais non, j'ai dit, ça suffit. Vous n'êtes pas fatiguée?
Direction, on va où? À Burger King. Mmh. On va l'acheter le gâteau de Shailina. Vous êtes attendu à 12h à l'accueil de l'hôpital. Maman Shailina, elle avait dit elle était pas tard. Oui, on va l'acheter le gâteau de Shailina. Et après on va à Royal. Moi, je vais manger tout le gâteau. Regarde comment il a garé celui-là. Non. Maman, et aussi, on va manger Burger King. D'accord. Maman, non, je fais le ramadan. D'accord. J'ai pas mangé. Donc on a récupéré le gâteau de Shailina. C'est un gâteau miraculeux. Ça c'est pour l'école. Comme moi j'ai eu miraculeux. Oui, toi aussi tu as eu miraculeux. Donc c'est pour l'école, pour qu'elle puisse couper avec ses copains. Ouais, quand elle retournera à l'école. Les copains ils chantent la chanson, ils s'assoient. T'as dit quoi? Les copains ils s'assoient, ils chantent Happy Birthday. Après vous mangez le gâteau. Oui. Ok. On va faire une photo. Donc là, on y va. Bon, là, on va à Royal Quid. Après, on va manger. Je ne sens pas d'enthousiasme. Vous pouvez pas aller. Pas enthousiaste là. On retourne à la maison. Vous voulez. Bon, là, on va à Royal Quid et après on les emmène à les Grey. À Burger King. Bon, on est venu ici. Ici, c'est un endroit pour les enfants pour jouer. Attendez, je vous montre. On a fini Royal Quid. Direction Burger King. On s'en va à Burger King. On va manger un peu. Moi, je suis au jeûne, je peux pas manger.
Ou mais, tu vas acheter pour rompre. Ouais, je vais acheter pour amener pour rompre. Et là, on va faire plaisir à. Aux moi, j'ai mangé un chicken avec Pocodio. Pocodio sauté. Bon. Le lait. Allez, à le tout à l'heure. C'est bon, Burger King. C'était bien ta journée, toi? Oui. Tu as bien kiffé? Oui. Mmh. Et tu manges quoi, là? Non, qu'est-ce que tu manges? Des frites. Des frites? Et toi? Mmh, des nœuds? Get. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Shailina. Joyeux anniversaire. Bravo. Bravo, tu as 4 ans aujourd'hui. Hello les gars, bon aujourd'hui je vais avec Shailina, elle va faire son opération, ils vont lui retirer les végétations. Ça va, tu dis coucou mon cœur? Elle est pas cousante matin là parce que lui a dit elle doit pas manger. Donc à tout à l'heure. Tu me fais un gros bisou. Tu me fais un gros bisou. On n'est toujours pas réconciliés. Bon, moi je te fais un bisou. Après ça, tu vas manger beaucoup de bonbons. T'as compris? Tu veux combien de bonbons? Bon, viens, on y va. Donc là, on est arrivé à l'hôpital. On doit être là dans 15 minutes. Donc, on y va, c'est parti. Chai et Nanou sont restés à la maison. Nanou en train de dormir. Nanou en train de dormir. Il pleut. Et voilà, Shailina, qui est prête, comme une grande, pour aller voir le docteur. Ça va? Ça va bien? Tu ne stresses pas? Hein? Je suis là. Hein? Il est là, papa. Ok? Donne mon téléphone. Tu veux regarder un truc sur mon téléphone? Ok. Bon, l'équipe, là, ils ont récupéré Shailina pour faire son intervention et tout. Donc, moi, je l'attends dans la chambre où on était. Et j'ai pas mangé depuis le matin. Elle aussi, elle n'a pas mangé depuis ce matin. Et il y a une information qu'on n'avait pas eue. Ouais. Donc, en attendant, je suis en train de regarder la coach. Avant chic, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les J'aime trop cette femme. Donc je la regarde passer le temps. Chai avec Nanou à la maison. On a fini l'opération. Shailina va beaucoup mieux. Là, le médecin, il nous a libérés. Enfin, le médecin a donné l'ordonnance, tout et tout. Donc on attend. Papa. Hein? Il y a maman qui essaie de m'appeler. Ok. Donc, on attend l'infirmière qui va retirer. Montre ta main. L'infirmière va retirer ça. Je lui dis, on attend l'infirmière qui va lui retirer ça. Elle dit, non, elle veut pas. Qu'elle veut prendre ça là pour partir à la maison. Je dis, mais aïe. Ça pour partir à la maison, comment? Donc, quand l'infirmière va venir, on va lui demander. Pour dire, on a qu'à emballer ta main comme ça, tu vas partir. C'est bon, non? Hein? Pour que l'infirmière prenne ça pour te donner, d'accord? Mais la corde, ça reste ici. Ok, ça te convient? Ok, ça marche. En tout cas, elle était très très courageuse. Ah bah. En plus, moi je dormais dans la salle. Regardez ma tête. Je dormais dans la salle et j'ai entendu ses pleurs dans le couloir. Ça m'a réveillé en même temps. Parce que je connais les pleurs de ma fille. Quand elle pleure là, en même temps, maman ou bien papa, elle pleure pas. Ouais, ouais. C'est rare. Donc voilà les gars, on va rentrer à la maison bientôt. Sur la maison, on a fini, elle est là, elle va beaucoup mieux. Elle est en train de manger les chips. Je suis coucou. Elle n'est pas causante, elle n'a pas envie de parler à quelqu'un.
Donc là, nous, on rentre à la maison et on se dit à la suite pour le vlog. Papa, mon cœur. Je veux des bonbons. Tu veux des bonbons? D'accord, on va acheter des bonbons demain, ok? T'as compris? Hello tout le monde, alors on est vendredi aujourd'hui et franchement aujourd'hui on n'a pas grand chose à faire hein chérie. On va à Val-d'Europe. On doit aller à Val-d'Europe? Ouais, pour acheter les trucs des, pour faire des vidéos là. Ouais, on doit aller à Val-d'Europe pour faire des courses pour une vidéo. Et moi en attendant je suis en train de faire le montage de la vidéo et je suis avec mon petit. Et Shaima est en train de ranger sa cuisine. Elle retire les assiettes du lave-vaisselle et va mettre les autres dans le lave-vaisselle. Je suis avec mon petit bébé d'amour qui veut montrer sa tête, mais je ne veux pas. Oh non. Non. Ça va? Dis papa. Aujourd'hui, il a dit papa. Il dit papa, hein. Il dit papa et puis il dit tata, mais il n'a pas encore dit maman. Il a dit maman une fois, mais Jean s'est sorti de manière... il a fait « Maman !» Nous tous, on a se sauté dans la maison. Là. Au centre commercial. On va aller à Val-d'Europe. On va aller, c'est le moment d'aller à Val-d'Europe. C'est le moment. C'est le moment d'aller à Val-d'Europe. C'est le moment. Et comme je vous ai dit, demain, c'est ma remise de diplôme. Il me faut une chemise blanche. Ma chemise qui est là, elle ne me rend plus. Ça, mes manches me sautent. La chemise blanche que je comptais porter là, mes manches sautent. Oh, Jesus is Lord. Every day, we need to dépenser de l'argent. We need to dépenser de l'argent. Parce que c'est quand même ma remise de diplôme. On va soulever les chapeaux comme ça. On va jeter les chapeaux en l'air. Ça, j'ai trop regardé ça dans les films américains. Voilà. Je disais genre dans les films américains. Genre, hey. Et puis on jette les chapeaux. Il a fait pour moi d'aimer. Il a jeté dit. Parce qu'il a jeté chapeau là. Mais en fait... Quand je repense à ça, je suis quand même fier de moi. De toute façon, on aura l'occasion de vous faire une story time. J'attendais juste de faire ma remise de diplôme pour vous faire cette story time. Donc, on va la faire. On va vous expliquer comment on a trimé toutes les épreuves qu'on a pu vivre. C'est incroyable. Mais on en est fier. N'est-ce pas, mon amour? Jean, il parle là. C'est fou, t'as me dit. Jean, tu sais qu'il est là, tu dégoûtes pas quoi? Ça m'a la poitrine. Tu veux un massage? Mais je suis sérieux. Demande-moi si tu veux un massage. Aïe. On fait massage de la poitrine. Bon, tu veux du Doliprane? Hein? Bon, il a dit tu veux un massage, là, c'est devenu par là. Donc, les amis, moi, je vais continuer le montage on partira à Val-d'Europe. Oula, je dois vous expliquer quelque chose. du coup, en fait, ma soeur elle était là. Ma soeur elle a fait. Elle fait quoi? Elle fait combien de jours? 10 jours, non? 10 jours ou 2 semaines à peu près. Et elle était ici. Après, elle allait chez mon frère à Bordeaux. Et elle est revenue. Donc, ce matin, je devais la déposer à l'aéroport pour qu'elle prenne son vol et tout pour retourner à Abidjan. Donc, comme je sais que le temps de l'accompagner, de revenir, c'est pas sûr que je sois là avant que Shai n'ait pas déposé les enfants. Moi, je suis parti avec Nanou. J'ai pris Nanou pour partir à l'aéroport avec ma soeur. Pour que peu importe s'il y a des embouteillages, elle sera tranquille pour aller déposer les filles à l'école. En plus, c'était l'anniversaire de Shailina. Donc, elle fait son anniversaire à l'école aujourd'hui avec ses copains. Je finis de déposer ma soeur, j'arrive, il est 7h50 par là. Mais genre, je suis arrivé, je me suis mis au salon. Je me suis pas rentré dans la chambre et tout. Et j'ai même pas pensé. Je vois, je regarde, il est 8h10. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir? Je vois pas de mouvement, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Mais
Donc je me lève, je m'en vais dans la chambre comme ça. Je suis partie dans la chambre comme ça. Je fais ça. Je vois Chai, elle est couchée. Alors qu'elle, d'habitude, genre, elle se réveille à 7h, 7h50, à 8h, elle est prête, elle et les enfants sont prêts, ils s'en vont. Donc pour moi, ils sont partis plus tôt, je sais pas. Je vois la go, elle est couchée, drap comme ça. Je vois les enfants aussi, elles sont couchées. Chacun sa chose. Je dis, aïe. Donc je dis, mais chérie. Simplement, ça, là, on n'a pas remis. C'est pas grave, ça c'est samedi prochain. J'ai dit, mais chérie, tu dors. Elle dit, où? Où? J'ai dit, mais il est 8h10. Elle dit, mon Dieu, oh Seigneur, mon réveil n'a pas sonné. J'ai dit, tu n'as pas mis. Faut pas dire, mon réveil n'a pas sonné. Faut dire, tu n'as non, pas mis. Non, mais c'est toujours activé. On a quand même dit la vérité, c'est toujours activé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Flo, tu peux dormir et puis. Mais t'es trop fatigué aussi, peut-être qu'on sait pas. Je pourrais réveiller les petites maintenant. Les deux là. Chayou, quand tu réveilles Chayou. Son père. Chayana, elle a du mal à se réveiller. Chayana a beaucoup de mal à se réveiller. Tu vas la tourner, elle est comme ça. Chaylina, dès que tu dis Chayli, fou. Elle se réveille avec ça. C'est moi. Elle se réveille. Ça, c'est toi et puis réveille à son équipe. Non, mais il n'y avait pas de bruit. Moi, dès qu'on me réveille, je me lève. Toi. Moi, dès qu'on me réveille, je me lève. Florian. Moi, dès qu'on me réveille, je me réveille. Arrête. Mais je me lève pour sortir du lit quand je veux. Arrêtez. Quand je veux, à vous. Toi, on t'appelle Florian. A, B, tu réponds pas. Mais Florian, c'est quoi? Viens me toucher. Non. Et puis quand tu es me réveiller, la fois, fais pas faire Florian. Faut dire mon cœur. Toi, quand tu es venu me réveiller ce matin-là, est-ce que tu es venu avec douceur? Mais moi, j'étais choqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu tellement t'es choqué, tellement t'as l'habitude de me voir que je suis déjà debout. Non, je suis choqué de voir que. C'est pas ça. Je suis choqué de voir que tu dors et quand tu as mis un pied à ma place, l'autre pied à ta place, t'es comme ça. Non, Chalima, tu as dormi d'ailleurs. Record Guinness du sommeil. Quand vous dites de dormir la nuit, vous ne dormez pas. À 4h du matin, vous chatouillez vos maris. C'est pas bon. Oh mon Dieu. En tout cas, je les ai déposés à l'école. Et en plus, quand j'allais les déposer, vu qu'on est arrivé devant l'école à 31, alors que. Ah ouais? Essaye de boire du Doliprane. On est arrivé devant l'école à 31, genre à 8h31. Donc. Moi, je me suis garé la vite fait pour dire descendez les filles, allez-y, descendez. Chai, descend avec les enfants et tout. C'est pas Chai a descendu, Chayou est descendu. Au moment où Chalina va descendre, il y a un gars qui vient que oui. C'est pas un gars, c'est les gens qui font traverser. Les gens qui traverser les gens. Mais c'est un gars. Ceux qui font traverser, qui font les stops. Il vient. Et puis il dit que monsieur, non, tout le monde n'a qu'à remonter dans la voiture et puis vous allez partir devant. Je dis, mais monsieur, excusez-moi, on est en retard et comme elles sont déjà descendues, ben, c'est pas grave, excusez-moi, elles vont profiter en même temps pour descendre. Vraiment, désolé, je ne savais pas, je n'avais pas l'info. Il dit, non, qu'elles n'ont qu'à remonter dans la voiture. J'ai dit, descendez de la voiture pour partir. Aïe, c'est quoi? Mon frère, toi, je ne peux pas dire que, ah bon, ok, la prochaine fois, faites pas comme ça parce que c'est interdit ou bien parce qu'à partir de maintenant, on ne se met pas là. Moi, j'ai vu combien de fois des voitures stationnées là, que ce soit le matin, que ce soit le soir à 16h30 pour venir récupérer les enfants. Parce que moi je suis venu déposer aujourd'hui, en même temps c'est devenu interdit. Qu'est-ce qu'il y a là? Que ça soit interdit, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne savais pas, je n'avais pas l'information. Elles sont déjà descendues de la voiture. J'ai compris, la prochaine fois, je ferai attention, tu vois. Mais immédiatement, on va remonter dans la voiture et puis moi je vais aller garer devant. Je dis à mon frère, pardon. De toute façon, tu penses que tu es pété là. Moi, mais je suis plus pété que toi. Elles sont descendues. Et puis, il dit qu'il va prendre photo de la voiture pour aller déposer à la mère. Si tu veux, il faut aller déposer ça au consulat. Va déposer je ne sais où. J'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi de mal? Parce qu'elles sont déjà descendues. Toi, tu dis, donc à remonter. Je dis que non. Toi, t'es fâché. Mes enfants n'ont pas été en retard. Donc, bref, bon, moi, je commence mon montage.
moi, je donne à manger à Nanou. Vous envoyez depuis l'Europe. Parce que son père, il n'a pas donné à manger. Quand vous envoyez depuis l'Europe. Regarde sa tête. Ah, je vais voir sa tête, mais il fait des grimaces chelous. Sachez, quand vous envoyez depuis l'Europe, vous avez 2 euros de frais fixes. Quand vous envoyez depuis les États-Unis. Je lui donne de la carotte. Non. Patate douce. Sachez que vous avez mon code promo qui est Flo 225 qui vous donne 5 euros la de patate bonus. Patate douce. Quand vous et 10 dollars de bonus quand vous faites bien ta tête, mon gars. Depuis les États-Unis ou le non. Canada. Et ce code promo est valable lors du premier transfert. Non. Donc, les amis, c'est parti pour la vidéo. Bon. J'utilise la set de Twitch Check avec mon code promo, vous avez moins 15%. Je vous mets le lien en bas d'infos. Hein. C'est des assets comme ça, genre ça se fixe avec le tapis pour donner à manger à votre enfant. Et ça ne sort pas, ça ne quitte pas. C'est comme ça. Vous avez moins 15%. Actuellement, le site déjà est en promo. Donc, profitons-en si vous avez des enfants ou si vous allez accoucher, c'est pas mal. Ils font plein de choses pour enfants. Bon. Tiens. Première photo. Vous là, j'ai mal à la poitrine. Eh, hey, je sais même pas pourquoi. Nanou. On va laisser laver. Tu vas aller te laver. Oui, tu vas aller te laver. Oui. Oui, tu vas aller te laver. Tu vas aller te laver. J'allais le rincer, j'allais le laver un peu parce qu'on va sortir. Hein? On va sortir? Allez, let's go. J'allais me laver. Le plus beau outfit. Outfit. Il est déjà 30. Et alors? Tu nous fais perdre le temps, t'as compris? À cause de quoi même? On nous attend, on a rendez-vous. Dépêche-toi, on doit venir récupérer les filles à l'école. Tu dois venir récupérer les filles. Dépêche-toi. Mais je m'en ai 14h30, les filles. Non, il est déjà 41. Le temps qu'on arrive à Val d'Europe. Les filles finissent à 16h30. Et les filles finissent à 16h30. Oui, elles finissent à 16h30. On doit arriver à Val d'Europe. Donc dépêche-toi. Allez, bye. Bon, là, on va à Val d'Europe. On va aller acheter, comme Florian a dit. Hein. On va acheter les cadeaux de l'enfant, de le cousin, de la camarade, de la tante, du sentiment de moko. Moko. Faut que ça s'insérer ici, là. Excuse-moi, prof d'auto-école. Prof d'auto-école qui n'a pas permis. Voilà. Non. Elle a dit pas, elle est en live. Elle est en train de danser. Elle est en live. Non. Annabelle a bisou. Je suis parti voir le gars. Quel gars? Il m'a chingué. Il m'a peinture. Il m'a dit viens ici. Je dis je veux pas le bangala, le bangala. Non, franchement, si on me demandait, oh non, awa. Je veux pas arrêter, awa, c'est ma star. La star qui se fond. Elle quoi? La star qui se fond. Elles sont quoi? Elles sont mangées. Elles sont pas ici. Oh, faut me laisser. Ça va? En ramadan, on est en plein mois de carême. Je dois porter mon foulard. Tu dois être dans ta sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté de Christ. Les amis. Bon. On est venu. Après, il y en a qui disent Primark, il y en a qui disent Primark. Chérie, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Primark. Vilain. Grave, mais moche. Mais les Allemands disent Primark. Ou bien ils disent Goodash Bidens. T'as déjà entendu un Allemand? Il n'a jamais entendu un Allemand dire Primark. En vrai de vrai, j'ai jamais entendu un Allemand dire Primark. Hein? Quoi? Tu dis quoi?
pas exprimé. Mm-hmm. Mali. Moi, je vais regarder si je retrouve ma chemise. J'ai regardé une chemise Primark là-bas. 10 euros, 20 euros, 15 euros pour demain. Chez Imad, tu n'as jamais de chaussettes. À chaque fois qu'on vient à Primark, tu prends des chaussettes. À chaque fois, les chaussettes se perdent. À chaque fois, tu as des chaussettes, mais à chaque fois, tu les perds. J'ai jamais vu ça. Regardez, elle prend chaussettes aujourd'hui, non? Tu veux celle-là? Elle a pris, non? Ok. Rendez-vous dans 2 semaines. Je vous donnerai des nouvelles qu'elle a perdu toutes les chaussettes. Regarde, j'ai même pas mis des chaussettes. J'ai dit rendez-vous. Je vais leur dire où tu as mis les chaussettes. Chemise en quoi tu as essayé? Oui, j'ai essayé. C'est mon agent qui paye. Ben là, il est, je sais pas, 16h combien là. On doit se dépêcher pour aller récupérer les filles. On a trop traîné en fait. On a trop traîné. Surtout, c'est à cause de Chai, chérie. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on a traîné. Parce que, oui, toujours toi. Always. Always you. Tu nous as fait perdre du temps. Parce que tu cherchais des t-shirts, tu cherchais des trucs. Tout le temps, c'est toi. Donc là, si on va pas vite, ils vont envoyer nos filles à la garderie. Alors qu'on n'avait pas, réservé la garderie. Et si on nous les ramène à la garderie, on va payer la plein pot. Elle nous a fait payer là. Ouais. Elle a oublié de scanner chaussettes là. Elle n'a pas scanné chaussettes là. Oui. Hey, mais on est pressé aussi. Oh. On va revenir. Non, on va revenir. Non, non, faut pas les gens de la vidéo. On va dire qu'on a volé chaussettes là. Parce qu'on doit aller récupérer les filles. Là, on n'a pas scanné chaussettes là. Non. Aïe, mais peut-être elle nous a donné. Oh. Elle est gentille. Que madame, vous avez oublié. Mais toi, franchement, tu es un jeune, hein, Chalima. Au moment de jeune, là, Dieu t'a offert quoi. Hein? Dieu t'a fait cadeau. C'est le Zaka. Ah. Elle a fait ça. C'est la malhonnête jusqu'à. J'avais vu ça. Non, moi, je vais revenir sur cette là pour payer. Oui. Mais tu as payé, c'est 4 euros, Chalima. C'est 4 euros que tu ne peux pas payer. Mais tu me déçois. Je suis déçu. Franchement. Hello les gars. Alors, on est en train de s'apprêter pour justement aller à ma cérémonie de remise de diplôme. Ça commence à 9h30. Il est 7h55. Bon, moi je suis habillée. Chayou habillée. Chalina habillée. Nanou est en train de s'habiller. Et après ça, on décolle. Embouteillage de Paris. Mieux, on s'en va une heure à l'avance. Parce qu'en plus, le trajet normal est de 46 minutes. C'est ça, non? 46 ou 50 minutes. Faut compter. En plus, on doit prendre un homme du carburant. Ensuite, faut compter les petits embouteillages, les feux. Donc, on part dans pas longtemps. J'ai même pas mis de la crème sur ma figure encore. Faut que je mette d'ailleurs. Je pense que c'est l'heure de sortir de la maison. Bon, j'ai fait de mon mieux. Hein, parce que le matin bonheur, là, je ne suis pas dans ça. Matin bonheur, là, je dors. Donc, on y va. Vous voulez voir le outfit de Nanou? Nanou? Voilà le outfit de mon bébé. De mon bébé. De mon bébé. Oui. Tu te sens comment aujourd'hui? Je me sens fier. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, j'ai déjà vu ça à la télévision, mais de toute façon, vous serez avec moi. Genre, on va faire 2 plans. Vous serez avec moi. Moi, je vais vlogger pendant que je suis en bas avec mes camarades et tout. Chai, elle va vlogger en haut parce qu'on sera pas assez ensemble, de ce que j'aurais compris. Toi, tu te sens comment? Chayana, tu te sens comment? Tu es sereine? Hein? Tu as la sérénité? Oui. C'est bien. C'est bien. Et toi, Chaylina? T'es pas la fâchéline. La colère, Chaylina. Toujours. Bon, on est arrivé pour la remise des diplômes. Ça, c'est Sadri. Voilà. Il était censé être à Lisbonne, mais bon, écoute, l'avion, c'est ça? Voilà. Liliana. Sarah, et j'ai bugué sur ton prénom.
Océane, c'est toi. Ah. Chloé. Ça vlog. Mm-hmm. Salut YouTube. Et moi. Donc là, les accompagnateurs, c'est-à-dire tout le monde, ils sont en train de rentrer là-bas. Nous, on va rentrer là par là et récupérer nos toges et on va partir. Donc, attends. Ça c'est ma binôme, ça c'est ma binôme de mémoire, Océane. Donc là, on est venu récupérer nos toges et nos diplômes. Ça, ça s'appelle un toge ou une toge, je sais pas. Ben, du coup, on est venu récupérer ça avec, vous savez, le truc, la corde et tout. Donc, regarde, il y a Madame Franquier là-bas. J'ai dit bonjour à YouTube déjà. Dit bonjour déjà. Moi, je t'entends expliquer, je t'entends dire que là, on est venu prendre nos toges et tout, blablabla, machin. On a dit bonjour à YouTube déjà. J'ai dit YouTube, c'est TikTok, hein. J'ai dit bonjour à YouTube. Ouais. Je sais pas. Non, c'est YouTube. Ok. Il y a Madame Franquet derrière. Oui, j'ai vu. Nous, on a vu. Attends, j'ai vu. T'es qui? Mon fou. Bah, moi j'ai un truc là. Attends, c'est quoi le nom? Je veux pas de flou tout noir, de blablabla, je vais pas me mettre du travail en plus. Habille-toi. Tu veux que je te laisse, le petit peu. Tu peux. Donc là, ils vont appeler par classe, on fait la classe 1, nous on est la classe 2, ils vont nous appeler tout de suite. Je vous embarque avec moi. Transpirer et Camille, je vais changer un peu la régie et je vais demander à une classe 2. Alors, vous êtes prêts? On y va. Camarades, complémentaires. Je suis diplômé. On est diplômé. Maman, tu peux être
fière. La villa pour les parents et la belle famille. La villa pour les parents d'abord, la belle famille après. Gros bisous, je dédie ce diplôme à ma mère et à ma femme. Ma mère qui pour m'avoir mis à l'école toutes ces années et ma femme pour m'avoir soutenu ici aussi avec tout ce que j'ai vécu, on a vécu. Je suis content et fier. T'as un mot à dire? Je suis fier de toi. Attends, je suis fier de toi. Après tout ce qui s'est passé et tout, tu as réussi à te relever. Et je suis fier de toi, mon mari. Tu as quelque chose à dire à papa? Papa? De Flo, parce que franchement, il s'est battu corps et âme pour avoir ce diplôme. Vous tous ici, vous savez que la maladie a failli tout gâcher. Mais Dieu est là. Dieu est dans les cieux. Il y a Dieu. Donc du coup, franchement, merci à Dieu surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour une personne spéciale. Donc les gars, ça a été ça, notre journée après la remise du diplôme. On a été invités à l'anniversaire de la fille, du frère, du mari. Du beau-frère de Chaimati. C'est pas mieux. La fille, du frère, du mari de ma belle-sœur. Qui est aussi la fille du frère. Du beau-frère. Tu fatigues le monde. De Chai. Donc on a été invité, on a bien bravo. Mangé. On n'a pas vlogué parce que, écoutez, respect de la famille, on n'a pas les droits, on n'a pas voulu aussi. On s'est dit que c'était un moment d'intimité familiale. Voilà. Donc, voilà. Là, on va aller dormir. Demain, on a baptême. Je suis MC là-bas. Ça, il va vous filmer. Il va me filmer en train de MC-er. J'ai mangé à l'anniversaire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que t'as déjà parlé, non? Non, pour le matin, non. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien, bof. Super bien, c'est trop dit. Actuellement, moi, franchement, je suis KO. J'ai mal au ventre, purée. Et là, on se dirige pour le baptême de l'enfant de nos amis. Comme quoi notre week-end est très 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 chargé. C'est pas facile de faire wiki vlog et grave, c'est pas facile de faire tous les jours là. Ah, non, mais en tout cas franchement c'est intéressant, mais après il faut avoir toujours à penser de faire la vidéo toujours, mais franchement toujours c'est voilà, mais franchement c'est très bien de faire de filmer. Donc voilà, espérons que mon ventre va se calmer. Oh. Les amis. T'as quoi à dire? J'ai à dire que pourquoi les amis, pourquoi il y en a qui n'écoutent pas nos vidéos? Pourquoi vous n'écoutez pas nos vidéos? Parce que Alibal, tout à l'heure, elle va hier, quand elle était à la garderie, elle a dit qu'elle regarde tous les jours nos vidéos des fois. Oh, elle est très gentille. Elle est très chou. Fait plein de bisous. Continue à regarder. Continue. Bon, on est arrivé. Ils sont en train de s'installer. Regardez. Je suis à mon gars là, il reste pas tranquille. Chayana nous a abandonné, elle a retrouvé sa copine, elle nous a abandonné, mon cher. Écoute. Là, c'est le groupe musical, le groupe Shekina. Le groupe Shekina, voilà. Chala là-haut, ici. Voilà, les autres, là. Brûlons-moi. C'est Shekina même qui est là. Mais... Ah, Deborah Lukalu, là-bas. Deborah Lukalu. On dit qu'il faut aller prier, tu dis quoi? Coucou! Vos têtes seront de YouTube. Hein. Le prêtre dit qu'on n'a qu'à sortir pour refaire le scénario. On va refaire la première partie. Voici le papa de la baptisée. Il aime caméra façon.
nous allons prier pour confier ce moment à Dieu, tout ce que nous allons manger, tout ce qui va se dérouler.